Cher étudiant, lors de votre formation à la faculté des sciences de Rabat, vous devrez suivre certains cours en mode hybride, c'est-à-dire une partie du cours sera enseignée en présentiel et l'autre en distanciel au niveau de la plateforme Moodle. Il est donc très important de savoir comment accéder et se connecter à cette plateforme. Chers étudiants, je vais maintenant vous montrer dans cette capsule la procédure qui va vous permettre d'accéder à votre plateforme de cours en ligne Moodle. Dans un premier temps, il faut d'abord vous connecter à votre adresse institutionnelle, l'adresse mail qui vous a été fournie lors de votre inscription. Et pour ça, il faut se connecter à la page Microsoft Outlook 365. Vous cliquez sur « Connectez-vous » et vous procédez à la saisie de votre adresse mail institutionnelle. Et ensuite, vous allez saisir votre mot de passe. Vous cliquez sur « Se connecter » et ça va vous permettre d'accéder à votre adresse mail avec la boîte de réception et toutes les fonctionnalités du Microsoft Office 365 et OneDrive. Une fois que vous êtes connecté, vous allez ouvrir un nouvel onglet et chercher Moodle FSR. J'insiste sur Moodle FSR parce que tous les établissements de l'université possèdent leur Moodle. Il ne faut pas se tromper de plateforme. Alors, vous cliquez sur « Bienvenue à la plateforme » et vous vous retrouvez sur la première page Moodle qui contient, entre autres, le guide de l'étudiant, c'est-à-dire c'est un document PDF qui vous permettra de vous familiariser avec les fonctionnalités de Moodle. Pour vous connecter à Moodle, il ne faut utiliser ni le nom d'utilisateur, ni le mot de passe. Il suffit juste de cliquer sur ce bouton « Se connecter » au moyen du compte Microsoft. Alors, vous cliquez sur ce bouton et vous allez vous retrouver dans votre compte Moodle qui porte votre nom. Pour trouver vos cours, il faut d'abord cliquer sur « Accueil du site » et ensuite sur « Licence » et vous choisissez la licence dans laquelle vous êtes inscrit. Par exemple, mathématiques, informatique et physique. Et vous cliquez sur le semestre 1. Et si vous êtes intéressé par les soft skills, par exemple, méthodologie de travail universitaire, souvent vous allez trouver différentes icônes de cours. Vous choisissez le cours dans lequel vous êtes inscrit. Par exemple, si vous êtes dans la section A MIP, vous cliquez sur cette icône-là et vous retrouvez dans le cours de Soft Skills. Dans ce cours, vous allez découvrir une présentation, un certain nombre d'informations, des ressources souvent de vidéos ou de PDF, et aussi des activités qu'on vous demande de réaliser et rendre. Je vous remercie pour votre attention.